Chaque jour, le centre d'accueil du boulevard Gouvion-Saint-Cyr, organisé par le secrétariat d'État aux rapatriés, avec de nombreux concours bénévoles, voyait affluer de nouveaux arrivants. Bon, alors, un chef de famille et une personne au foyer. Moi, je suis, en ce moment, je suis dans la rue. Je vais à droite, à gauche, on me loge comme ça, monsieur. Je suis dans la mendicité de tout le monde. Et vous souhaitez retourner en Algérie? Je voudrais de tout cœur. Demain, on voudrait retourner, monsieur. Et vous, mademoiselle? Ah, moi aussi, puisque j'ai laissé ma famille là-bas. Oh, je n'espère pas. Je n'espère pas parce que ce que nous avons laissé là-bas, nous ne retrouverons jamais. Notre... 1962. L'image la plus marquante est celle des rapatriés d'Algérie, avec son cortège de séparation et de déchirement. Mais contrairement aux idées reçues, certains Français d'Algérie, dits « pieds noirs », ont choisi de rester dans le pays qui les a vus naître. 40 ans ont passé, et malgré les événements douloureux qui ont secoué le pays ces dernières années, ils sont toujours en Algérie. D'autres Français ont également fait le choix de l'Algérie. Au travers d'organisations comme l'ADFE, ils maintiennent les liens entre la France et la communauté française en Algérie. L'ADFE, elle a retrouvé des femmes qui étaient totalement, qui n'étaient pas immatriculées, qui étaient abandonnées par les autorités françaises. On a des exemples de femmes extrêmement isolées, comme Aïn Bessem, Bogard, une Française là-bas toute seule, qui est quasiment prise en charge par les voisins, l'entourage. Donc, ces personnes âgées, bon, il faut dire aussi que le consulat fait des efforts, organise des goûters, des choses comme ça pour qu'elles puissent se retrouver, parce qu'elles sont parfois, elles ne parlent pas un mot de français dans la semaine, hein, elles sont dans un milieu où il n'y a personne qui parle français. Donc, quand elles se retrouvent une fois par semaine pour un goûter, pour des choses comme ça, elles sont heureuses. Au moment de l'indépendance, il en restait encore une centaine de milliers. Hein. C'est après, bon, les mesures prises par Ben Bella sur la nationalisation des terres, sur la nationalisation des entreprises, etc., ont accéléré le départ d'Européens qui avaient des propriétés, qui avaient des usines. L'été chaud de 62, il s'explique en partie par l'été chaud de 61. Parce qu'en 61, les victimes, c'était algériennes. Il y a eu des commandos de l'OAS qui ont tué, exécuté des dizaines et des dizaines d'Algériens. C'est une des grandes causes du massacre des Européens. C'est la vengeance de l'été 61. Surtout, parce que la population européenne était la plus importante. C'est une ville où c'était un peu l'apartheid, hein. Quand vous aviez ce qu'on appelle le village nègre, il n'y avait pas un seul Européen. Vous aviez en revanche les avenues du centre-ville où il n'y avait pas un seul Algérien. C'était tout de même très ségrégationniste. Ce qui existait moins dans les autres villes algériennes. À Alger, il y avait tout de même des quartiers comme Clos Salambier, tout ça, qui étaient mixtes. Mais tout de même, l'été 62 était très difficile. Parce qu'il y a eu des tirs à balles réelles entre la Wilaya 4, les gens qui venaient de l'extérieur, etc. Et la population était stupéfaite. Ils pensaient que le FLN était soudé comme les doigts de la main, mais quand ils ont vu la bagarre, il y a eu une grande déception. Et il y a eu ces fameuses manifestations, Barakat Sebastin, 7 ans ça suffit, où ils voulaient prendre de force tous les dirigeants, les enfermer jusqu'à temps qu'ils soient d'accord. Les maquisards n'avaient pas du tout la haine parce que pour eux, le combat était terminé. Ils ont tourné la page très vite. Et ceux qui avaient la haine, je dirais que c'est ceux de la dernière minute. Ceux qui sont devenus révolutionnaires en mars 62. Les fameux auxiliaires temporaires occasionnels, hein, les ATO, qui ont massacré des Européens, qui ont pillé, qui sont installés dans des villas, etc., qui ont donné une image catastrophique de ceux qui étaient chargés du maintien de l'ordre. Oui, ce qui a manqué, c'est... Bah, les grandes personnalités sont malheureusement mortes pendant la Révolution. Des Ben Mehdi, des Abdel Hamdan, etc., des gens qui auraient pu être ces... Ben Mehdi, par exemple, c'était un homme de dialogue. Il ne voulait absolument pas le départ de la communauté européenne. Ceux qui ont survécu, c'est ceux qui étaient à l'extérieur de l'Algérie. Ceux qui ont dirigé, ils étaient en Tunisie ou au Maroc.
Donc, c'est un peu des politiques, entre guillemets, politico-militaires. Le mot d'ordre de l'OS était de faire fuir tous les Européens. Hein, s'il n'y avait pas eu l'OS, s'il n'y avait pas eu les assassinats ciblés aussi bien d'Européens que d'Algériens, beaucoup de pieds noirs, entre guillemets, seraient restés en Algérie. Il y a eu une panique qui a été entretenue par l'OS et qui a expliqué qu'à partir du mois de mars 1962, il y a eu un exode considérable. Après le 18 mars 1962, plus d'un million de Français fuient un climat de terreur et la surenchère meurtrière de l'OAS sous le regard impuissant de l'armée française. Le mal est fait. Reinette Touati témoigne. Oh oui, on nous traitait de pieds noirs. Ah oui, on n'était pas tellement bien accueillis, vous savez. Oh, oh là là, pas du tout, pas du tout. Comme nous étions commerçants, on cherchait des affaires, vous savez, pour travailler et remonter la pente, comme on dit. Avec mon beau-frère, nous sommes allés voir une librairie. Elle était en vente. Et nous sommes allés voir la personne qui la vendait. Monsieur, si vous aviez vu comment qu'elle nous a reçus. Oh, même un chien, même n'importe qui, on le reçoit mieux. Nous avions l'habitude de bien recevoir nos gens, rentrer prendre un café, manger ceci, manger cela. Et là, c'était tout à fait différent, tout à fait, complètement. En bas de chez nous, il y avait des musulmans, on rentrait, si on avait de l'argent, on prenait de la marchandise, et si on n'en avait pas, la même chose. Il me dit, vous payerez après, vous payerez la semaine prochaine, vous payerez demain. Regardez cette confiance. Là, si vous manquerez qu'un franc pour acheter une baguette, il ne vous la donne pas. Oui. Tout est différent. Nous étions en famille, pour ainsi dire. Une, elle savait ce qui se passait chez l'autre. Où j'habitais, il y avait des musulmans, il y avait des espagnols, il y avait des juifs. Chacun faisait sa religion, on se respectait. À Tlemcen, c'était pareil. Ma mère, elle habitait un quartier où il n'y avait rien que des musulmans. Elle était la seule juive dans tout ce quartier. Elle habitait El Kala. Et tout le monde l'aimait, tout le monde venait. Quand il y avait un malade ou qu'il y avait quoi que ce soit, ils étaient tous en train de demander des nouvelles. Non, non, on ne peut pas dire que nous étions mal en Algérie. Ça, il a fallu cette guerre, cette haine pour se séparer. Il aurait fallu bien dialoguer, bien faire comprendre la chose aux musulmans et aux Européens. Ils auraient pu faire beaucoup de choses mieux que ce qu'ils ont fait. Hein. Le gouvernement français, quand il y avait un musulman qui se présentait, par exemple, pour travailler à la poste ou pour travailler à la mairie, alors il faisait tout pour ne pas l'accepter. Et c'est ça qui a créé le mécontentement de tous. C'est ça. Il n'acceptait pas. Il venait les gens de France travailler en Algérie et il n'acceptait pas les Algériens de travailler là. Le Kursal, il a préféré Oran. C'est un Parisien d'origine, c'est lui qui est arrivé ici en 1921 et qui a aimé ce pays. Puisqu'il a été jusqu'à la fin de sa vie, il est enterré au cimetière d'Oran. Et un de nos fils est né aussi à Oran, donc ça, il y a 5 générations. Et du côté paternel, mon grand-père est arrivé de Marseille. Il a créé une librairie qui était connue, je crois, de tous les Oranais et peut-être même d'Oranie, car tout le monde connaissait la librairie Ménès. Je crois que ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils considèrent que ce pays, le pays qu'ils ont choisi dans l'immigration, puisque beaucoup venaient de l'extérieur, tous ne venaient pas directement de France, donc venaient d'un autre pays que la France, ils l'ont choisi comme pays d'immigration, et ce pays est pour eux leur pays. Donc ils y ont vécu, ils ont eu une famille, ils y ont travaillé, ils ont eu des relations qui étaient bonnes pour beaucoup avec les Algériens, et ils ne voient pas pourquoi ils quitteraient ce pays au moment que ce pays passe une période très difficile. Ils considèrent que si les Algériens souffrent,
eux-mêmes doivent souffrir avec eux et qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils rentrent en France. J'en connais beaucoup et ils ont l'intention d'y rester jusqu'à la mort. Ma voisine, pas de mon étage, mais que je connais depuis 30 ans, a les clés de mon appartement. Sitôt qu'il y a un problème, elle descend. Quand il y a des orages, non, je n'ai absolument pas à me plaindre. J'ai un voisinage parfait, de gens très bien élevés. C'est votre ami sur la bonne voie. Jamais, j'ai jamais quitté ce pays. Je suis à l'aise, je suis dans ma peau. J'étais en Espagne, j'étais en France, j'y suis retourné le plus tôt possible. Parce que là-bas, le moral était, je n'avais plus le moral. Et ici, dans mon quartier, je me sens très bien. La mienne, qui est en activité, celle-là est en voie de... J'ai démonté le réservoir pour le repeindre. Mon père circulait en moto jusqu'à sa mort, il a circulé avec cette moto. Pendant des années, il a circulé à travers Oran. Et en 62, avant que la police algérienne s'organise, qu'elle ait un atelier structuré, il a même réparé les motos de la police. La ville s'est agrandie. Mais on ne peut pas dire, quoi, c'est le pays. C'est le pays, c'est tout. J'avais pas de motif précis pour quitter l'Algérie. Elle m'a dit de toute façon, moi, qu'il arrive n'importe quoi, moi, je ne partirai jamais d'ici, je reste, c'est ma terre, c'est... Bon, ben, je dis, c'est tout à fait normal, c'est tout à ton honneur. Et en plus de ça, elle savait que son grand-père était enterré dans un marabout. Elle avait une haute considération de tous les musulmans qui vivaient quand même autour, là-bas. Quand il me répond, il n'y aura pas de massacre des Français, et puis ça va. Je dis à l'amiral, il n'a pas répondu à ma question, je n'ai pas demandé s'il y aurait ou s'il n'y aurait pas des massacres. Je dis, en cas de massacre des Français, que ferez-vous? L'amiral m'a pris à part et m'a dit très doucement, Monsieur Baquès, nos ordres sont formels. Quoi qu'il se passe, les troupes resteront consignées. Ça signifie, on se fout éperdument de vous. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Alors mon père était l'ami du chef du douar du village. J'ai été voir Mrabet, je dis Mrabet, voilà la situation. Il m'a dit, tu restes à ta villa, je mets mon fils avec toi, et qu'est-ce que tu crains? Parfaitement adapté à un pays qui a toujours été le sien, le docteur y a tout naturellement adopté des enfants. J'ai pris pratiquement 3 jeunes que j'ai adoptés, qui vivent avec moi, que j'ai essayé de former. J'ai dit, ben, c'est eux qui m'ont formé. Et c'est un monsieur qui a adopté 3 ou 4 jeunes d'Oran ici, même des gens qui les a aidés dans leur formation, qui sont médecins, qui sont ingénieurs. J'ai tout appris de métier chez lui, et je suis comme un fils. C'est un monsieur qui a adopté l'Algérie comme son pays, son vrai pays d'ailleurs. Il l'a dit plusieurs fois. Et c'est un monsieur qui pense mourir ici en Algérie, enterré avec ses parents, qui sont d'ailleurs enterrés ici en Algérie. C'est des Oranais, hein? C'est comme nous, ils sont comme nous. Ils sont nés à Oran, c'est des Algériens. Moi, je leur souhaite de bien vivre là-bas. Regardez, nous sommes là. Vous êtes de ce Maroc. Des Français, d'Algérie, droit dans ce pays. Il est dans ce pays. Son père, là, c'est Monsieur Lagarde. Monsieur Lagarde. Ces Français d'Algérie, devenus des Français en Algérie, Algériens de cœur, témoignent tous à leur manière que l'histoire, malgré des épisodes tragiques et sanglants, occultant tout le reste, ne s'écrit pas en noir et blanc. Si l'histoire de l'Algérie est fortement marquée par celle de la France ne peut se défaire de la part de l'Algérie qu'elle porte en elle. Au-delà des tabous et des non-dits, la vie de ces gens ordinaires, parfois au destin extraordinaire, se lie alors comme une réconciliation, une mémoire entre les deux communautés, entre les deux rives.